Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche 3 janvier 2021, 17h, heure du Québec. Je voudrais arrêter de parler de Donald Trump, mais c'est impossible. On est à 17 jours de la fin de sa vie politique. Et il fait encore parler de lui, il fait la une de tous les bulletins de nouvelles, à toutes les secondes. Il y a Joe Biden qui vient d'être élu, mais il passe à côté des nouvelles, il passe en dernier, parce que Donald Trump, c'est une bête de télévision, c'est une bête des médias, puis il a toujours été, puis il continue de l'être. C'est tout ce qu'il est, rien d'autre. Un amuseur public. Et là, il vient d'être attrapé la main dans le sac. On a parlé beaucoup, il n'arrête pas de prétendre qu'il y a eu qu'il y a une fraude généralisée, il n'y a aucune preuve qui a été amenée, c'est que des candidatons, comme je vous l'avais toujours dit. C'est des légendes urbaines, c'est des rumeurs, il n'y a aucune preuve qui a été amenée devant aucun tribunal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les causes qui ont été présentées devant les tribunaux ont toutes échoué, parce qu'il n'y a pas de preuve. Tu ne peux pas arriver devant un juge en prétendant que « Hey, j'ai entendu dire qu'il y avait eu ceci, cela qui s'était produit », puis déposer ça comme une preuve, c'est pas une preuve. L'élection a été menée de façon ultra sécuritaire, comme jamais, parce que justement, les républicains, les démocrates, tout le monde était paranoïaque, parce que Donald Trump avait déjà, depuis 6-8 mois, 1 an, mis le feu aux poudres en prétendant qu'il était pour avoir une fraude électorale à cause des bulletins de vote par correspondance, à cause de la pandémie, ce qui est complètement non fondé. Là, il vient de se faire attraper comme un parrain, un mafieux, un pégreux, au téléphone avec le secrétaire de la Géorgie, parce que lui, il en a vraiment beaucoup contre la Géorgie. Il vient de se faire attraper. Ce coup de téléphone-là vient d'être leaké, hein, comme on dit, coulé dans les médias il y a à peine 1 heure. Ce que je vous partage là, c'est tout frais. Et où on entend Donald Trump littéralement demander au secrétaire de la Géorgie, le secrétaire d'État qui est un républicain, de lui trouver 11 000 quelque chose votes pour le faire gagner. C'est hallucinant. Quand je vous ai dit hier ou avant-hier, s'il y a eu une fraude, elle est du côté des républicains, parce que c'est impossible que 72 millions d'Américains aient voté pour Donald Trump, c'est impossible. Ça va contre toute intelligence humaine. C'est impossible. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, vois-tu, à 17 jours, mardi, il y a une élection importante en Géorgie en plus, pour déterminer qui va avoir le Sénat. Donald Trump fait tout pour que les républicains perdent. On dirait qu'il est comme, je ne sais pas, il est envoyé là pour détruire le Parti républicain. Le Parti républicain est en autodestruction, devant nos yeux. Un parti qui est là depuis 250 ans. On va aller écouter ça, j'ai l'extrait pour vous. Donc c'est quelqu'un qui en veut à Donald Trump, puis qui est écœuré de l'entendre se plaindre d'une fraude qui n'existe pas. Donc, bougez pas. On va aller juste lire le petit article qui nous rapporte ça. Trump a appelé le secrétaire d'État géorgien et lui a demandé de trouver plus de votes inexistants. Eh bien, Monsieur le Président, le défi que vous avez est que les données dont vous disposez sont fausses. Dans le dernier chapitre du refus du président Trump d'accepter la défaite et de sa tentative agressive de saper une élection dans laquelle il a perdu de manière décisive le Washington Post, imaginez-vous, parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire du Washington Post, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos a déjà fait partie de la CIA. Donc, lui, il a des bons contacts, OK? Puis c'est l'homme le plus riche au monde. Puis il n'aime pas Donald Trump, donc ça ne vient pas étonnant que c'est le Washington Post qui a pu mettre la main là-dessus. Vient de rendre compte d'un appel téléphonique d'1 heure que Trump a passé samedi. Donc, samedi hier, ça va vite, hein? Au secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger. Le Post a obtenu un enregistrement de l'appel dans lequel Trump a paru exhorter Raffensperger, qui est un républicain, à manipuler l'élection en recalculant les résultats et en trouvant suffisamment de votes pour qu'il soit déclaré victorieux. C'est assez hallucinant. Donc, le fameux appel, je vais aller vous le chercher. Et on va l'écouter, puis je vous le traduirai, mais je pense que vous n'avez peut-être pas besoin de traduction. With saying that, Brad, you know, I mean, having a correct, the people of Georgia are angry. Donc, il dit, les gens de Géorgie sont fâchés, ouais, les républicains, parce qu'ils ont perdu l'élection. Et parce que lui, il leur a mis dans la tête que cette année, ce serait une élection frauduleuse, eux autres, les électeurs pensent que c'est frauduleux. And these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. Il dit, il n'y a rien de mal à dire que tu vas recompter les votes. Il lui demande de recompter les votes. Comme un mafieux, comme le chef de la pègre, hein, appellerait ses hommes de main. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Il dit, le défi que vous avez, c'est que les données que vous avez sont fausses. Vous racontez n'importe quoi, dans le fond. Ça, c'est Raffensperger qui lui dit ça. Now, do you think it's possible that they shredded ballots in... Donc, il demande, il dit, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'ils aient déchiqueté des bulletins de vote dans le comté de Fulton? Fulton County, that's what the rumor is. Parce que c'est ça que la rumeur raconte. Voyez-vous, il n'y a aucune preuve, c'est juste des rumeurs de gens qui sont tellement frustrés d'avoir perdu qu'ils inventent n'importe quoi, puis ils voient des monstres, puis des bébites partout. Et les fameuses machines de Dominion. Hein? Ils disent, est-ce qu'ils sont venus chercher leurs machines pour changer les pièces internes pour en mettre des nouvelles? Encore là, ça, c'était une autre théorie qui avait été avancée par tous les siphonnés qui entourent Donald Trump dans son équipe d'avocats de fêlés, là, comme Sidney Powell, qui avait une théorie vraiment loufoque et burlesque concernant les machines Dominion. Donc apparemment, ils bougent très très rapidement pour aller chercher leurs machines. C'est complètement absurde! Est-ce que vous savez quelque chose à propos de ça? Parce que vous savez que c'est illégal, hein? Non, Ryan Germany. No, Dominion. Non, il dit là, c'est Ryan Germany, un autre qui était à côté de Raffensperger pendant l'appel, qui dit non, ils sont pas venus chercher leurs machines pour les sortir du comté de Fulton. Mais est-ce qu'ils ont changé les parties internes des machines? C'est comme pour les remplacer par d'autres. Complètement c'est complètement loufoque. T'as l'impression d'être dans une comédie vraiment de mauvaise qualité. Hein, un film de série B. Non. Ryan Germany dit non. Voyons. Es-tu sûr, Ryan? I'm sure. Il dit oui, je suis sûr. On arrive un petit peu plus loin dans la Tu sais qu'on devrait avoir une élection vraiment précise, hein? Et tu sais que tu es un républicain. Raffensperger, le secrétaire d'État, dit « On croit qu'on a eu une élection juste et précise. » Non, non, you don't. Non, non, you don't. You don't. Non, you don't have. You're not even close. No, you don't have. You don't have. Not even close. You're off by hundreds of... T'es à côté de la traque par des centaines de milliers de votes. Il est complètement délirant. Tu le sais ce qu'ils ont fait, puis tu le rapportes pas. Voyez-vous la fixation de cet homme-là? Tu sais que c'est criminel, c'est une offense criminelle. Et tu peux pas laisser ça se produire. Et ça, c'est un gros risque que tu prends, toi, là. T'es un avocat, Ryan. Il parle à l'autre gars qui est avec Raffensperger. C'est un gros risque que tu prends. Le risque est plutôt de l'autre côté. C'est Donald Trump qui est en train de se faire enregistrer pour demander de tricher, puis de recompter les votes, puis de lui inventer 12 000 votes. Voyez-vous la folie de cet homme-là? Et comment les corrompus essayent toujours de se protéger en disant que ce sont les autres qui sont corrompus? Mais tu le sais, ils sont en train de... Ils ont déchiqueté les... ils ont déchiqueté les bulletins de vote. Ils ont déchiqueté les bulletins de vote. Puis dans mon opinion, en tout cas, c'est ça que j'ai entendu dire. C'est ça que j'ai entendu dire. Donc, aucune preuve, mais c'est ça que j'ai entendu dire. Et en plus, ils sont en train de changer la machinerie et les pièces. Et ils font ça très rapidement. Ça aussi, je l'ai entendu dire. Tu le sais que c'est deux infractions criminelles et qu'on ne peut pas laisser ça se produire. Et que tu es en train de laisser ça se produire. and you can't let it happen, and you are letting it happen. You know, I mean, I'm no... Non, mais tu sais, je fais juste vous rappeler que vous êtes en train de laisser se faire, de laisser faire ça. Tu es en train de les menacer, tu sais. Donc, écoute, moi ce que je veux, tout ce que je veux, c'est que je veux juste que tu me trouves 11 780 votes, tu vas recompter tout ça, là. Tu vas en effacer, puis tu vas me trouver 11 780 votes, qui est un de plus que ce qu'on a ici maintenant, là. Parce que tu sais qu'on a gagné les, on a gagné la Géorgie. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Donc, dis-moi une chose, Brad. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à propos de ce que je te propose? On a gagné l'élection, tu sais que c'est pas juste qu'ils nous l'enlèvent. Tu l'as pas gagné, tu l'as perdu l'élection. Et tu sais que ça va être très, très dommageable dans de plusieurs façons. Et je pense que tu es obligé de me dire que tu vas réexaminer tout ça. Et tu sais que tu peux le réexaminer. Ça fait 3 fois qu'il compte en Géorgie. Mais il faut que tu le réexamines avec des gens qui veulent vraiment trouver la réponse, les réponses, en voulant dire. Il faut vraiment que tu reprennes tout ça, mais avec des gens qui vont vraiment s'arranger pour que je gagne, comprends-tu? Pas entouré de gens qui veulent pas trouver de réponse, Brad, comprends-tu? Parce que moi, là, je peux te faire casser 2 jambes, mon chum. Je suis le parrain, oublie pas ça. Donc, j'ai entendu dire que Ryan, ouais, probablement, c'est un bon avocat, là, mais lui aussi, je peux lui faire casser les jambes. Mais là, il est en train de faire des affirmations à propos des bulletins de vote dont il est ignorant. Donc, tu sais, je veux dire, man, moi, je peux envoyer mes hommes demain matin, là. Comprends-tu? He doesn't know what he's talking about quand il dit que tout était parfait. Mais là, il a fait ça avec en plus beaucoup d'assurance, hein, lui là, le petit Brad à côté de toi, là, le petit Brad, le petit Ryan. Donc, dis-lui que moi, je peux t'envoyer quelqu'un là demain matin, casser 2 jambes, mon chum. Mais là, je pense qu'il est moins sûr, là. Parce qu'ils sont tous allés à Biden, ces votes-là, là, de tous ces bulletins-là, dont t'es bien assuré qu'ils étaient tous légaux, là. Et ça, juste ça, là, ça nous fait gagner l'élection, mon chum. Donc, raconte-moi tout ça avec du monde qui sont prêts à vraiment comprendre la situation, comprends-tu? Puis, rajoute-moi 11 781 votes, puis l'affaire est ketchup, mon ami. Et là, on va gagner par beaucoup. A lot. You know. Tu comprends? No. Monsieur le Président, vous avez des gens qui vous ont soumis des informations. And we have our that et on a des gens qui nous ont soumis des informations. And then it comes before the court. And the... Et ça, c'est tout allé devant les cours, et les cours ont déjà tout déterminé. OK? The court then has to make a determination. Nous autres, on doit rester avec nos chiffres. On pense que nos chiffres sont justes. D'ailleurs, les avocats, vous n'êtes pas supposés donner des faux résultats d'élection, là. Et c'est ça que vous avez fait, toi, là, Ryan. Tu es un avocat et tu as donné un faux résultat d'élection. Ça, c'est un résultat d'élection faussé. Et honnêtement, quand ça me fait rire, quand Trump dit « honestly », OK. Ça, ça devrait être très rapide. Vous devez vous rencontrer demain, là, parce que moi, c'est demain que j'envoie mes bodyguards. Mes strikers. Parce que demain, parce que là, mardi, tu as une grosse élection qui s'en vient là, pour le Sénat. Donc ça, il faut que ça soit fait avant. Et à cause de ce que vous m'avez fait subir à moi, les gens de Géorgie, de la Géorgie, pensent que c'est une fraude, un scam. Ils savent que c'est un scam, eux autres, ils sont pas stupides. C'est pour ça qu'ils votent pour moi, ils sont pas stupides. Et là, parce que ce que vous m'avez fait à moi, là, ça veut dire une élection. Ce que vous avez fait à moi, pas vouloir tricher puis me laisser gagner, mais ben ça va peut-être épeurer les gens, puis ils n'auront pas voté mardi. Et il y a beaucoup de républicains qui vont voter négativement. Donc là, il met la pression en plus sur l'élection de mardi. Il veut que Raffensperger, il veut lui faire tellement peur, il l'a menacé. Puis après ça, là, il lui dit, en plus, t'as l'élection du Sénat qui s'en vient, le contrôle du Sénat. Hein, on sait que c'est des trilliards de dollars qui sont en jeu de contrôle d'argent. Là, il est en train de lui mettre cette pression-là sur les épaules. Donc, il dit, fais quelque chose, mon chum, là, parce que si tu fais rien, puis tu laisses tout aller ça, puis tu recomptes pas avec, en rajoutant 11 781 votes pour moi, ils n'auront pas voté, là, eux autres, puis vous allez perdre le Sénat. Parce qu'ils détestent que vous m'avez fait subir. OK, ils détestent que vous m'avez fait subir, me faire perdre dans une élection légale, juste. Et là, tu serais respecté, vraiment respecté, si tu me redressais tout ça, cette situation-là, avant l'élection de mardi. Sénatorial. Hey, t'as une grosse élection qui s'en vient mardi, mon chum. Donc, chers amis, si ça vous en prenait plus pour vous convaincre que cet homme-là est complètement immoral, après les 4 années qu'on a vécues sur Donald Trump, puis tout ce dont on a partagé, hein, ce qu'on a partagé sur ses comportements complètement irrespectueux, voyous, de bombes, de tyrans, de dictateurs, si ça vous en de sexistes, xénophobes, homophobes, islamophobes, tu peux racistes, tu peux toutes les nommer, là. Puis là, en plus, il vient de se faire prendre la main dans le sac comme étant quelqu'un de vraiment, vraiment corrompu. Je sais pas ce que ça te prend de plus, mais en tout cas, si ça t'en prend plus, on va en trouver plus. Bouge pas, reste là, parce que j'en ai encore plus à te partager de la folie du Parti républicain sous Donald Trump. Mais ça, c'était essentiel que je vous partage ça tout de suite. J'espère que, même si vous êtes des pro-Trump, que vous appréciez les efforts que je fais.